Ben, je suis le prophète Joël Crasso. C'est vrai que perdre une personne, c'est malheureux, ça fait mal, c'est parce qu'un être humain a droit à la vie. Mais c'est Roga qui est touché là. C'est son corps. Il a refusé, nous lui avons demandé de faire des aveux. Il avait dit devant tout le monde ici à Zaroko qu'il n'allait jamais me trouver dans la sorcellerie. Or, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé le moissonnera. Il a prêté ses mains devant les hommes et devant tout. Or, il est venu à Divo pour être aidé. Il n'a pas voulu avouer. Donc, on a demandé qu'il rentre. Et malheureusement, ce matin, il vient de rendre l'âme. Voilà, pour nous, c'est vraiment dommage que c'est malheureux. C'est pour ça que ce n'est pas bon de pratiquer la sorcellerie parce que la fin est fatale. On ne se moque pas de Dieu. Quand tu dis que tu as laissé la sorcellerie, quand tu dis que tu as laissé la sorcellerie, il faut laisser la sorcellerie. C'est le corps de Waga qui est aujourd'hui. On a tout fait. Moi, je me suis dit, je l'ai beaucoup aimé. J'ai tout fait même pour l'aider à abandonner. Il faut laisser Louise. Louise. Ta fille Louise, là, c'est ça. Son fils est tombé dans un coma. Parce que c'est ça. Il a voulu changer les données. Prend son fils à sa place. Son fils soit dans le coma, lui tombe. Amusez-vous, les sorcelleries. Ça va vous abattre un an ici.